Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Geoffrey qui vient nous présenter une voiture d'exception puisque c'est une Viper GTS qui est de quelle année? De 2000. Alors en fait, c'est une version française, c'est une Chrysler Viper de 2000. Ce n'est pas une version américaine, c'est une version qui a été achetée en France à une concession Chrysler Mercedes dans le 78. Une configuration assez classique sur ces modèles-là, sur ces années-là. Elle n'a pas de bande. Le précédent propriétaire les a retiré beaucoup de stickers dessus parce qu'elle avait un peu, passez-moi l'expression, jacquisée. Ouais. Et qu'il voulait la remettre vraiment d'origine. On a juste les logos sur les côtés, un petit écusson ferraille qui partiront à terme parce que je vais m'occuper de lui refaire une complète. Bon, après, au niveau des formes, c'est tout sauf discret. Je dis ça dans le sens où tu as un capot très allongé, ouais. Un arrière un peu surélevé. Quand ils ont dessiné cette voiture, ils se sont inspirés, il y avait trois voitures. Il y avait la Daytona, conçue par Carroll Shelby, qui est la version coupée de la classe Ecoma. Et il y avait la Type E et la 250 GTO. Et donc la voiture, elle a été développée par un certain Carroll Shelby, si je comprends bien. Cette histoire, elle est assez dingue. Ça fait un peu écho à ta voiture, qui est une Shelby. En 89, ils sortent un concept car au salon de Détroit. La Dodge Viper RT10, en fait, qui cartonne. C'est un carton absolu. Qui contacte Carroll Shelby, ils disent écoute, la marque Dodge dans le groupe Chrysler est en train de s'effondrer. Et là, il lui dit sors-moi une caisse, quoi. Fais-moi un proto, vends-moi un truc. Donc, 89, il présente la caisse au salon de Détroit. Elle arrive sur la scène, c'est un carton de ouf. Les gens réservent, hein, tout. Et là, en fait, ils sortent en 3 ans, ils sortent la bagnole en 92, la RT10. C'est-à-dire que pourquoi Viper? Parce qu'il ne peut pas prendre le nom de Cobra qui était déposé. Et que, en fait, la logique des choses, c'était de garder un nom de serpent, parce que c'est comme le logo Shelby, c'est tout ça. Ils l'ont appelé Viper. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est une voiture qui a une aura positive et négative. Alors, soit les gens l'ignorent totalement, soit les gens, ils me regardent et ils font tous ouais, génial, ils la prennent en photo. Elle attire toujours la sympathie. Il n'y a jamais de jalousie, il n'y a jamais ce problème. Jamais. J'ai les copains qui roulent avec des Lamborghini, des Ferrari, ils sont vachement ennuyés, même en Porsche. C'est vrai que ça a de la gueule, hein. Même de l'arrière, quand tu la regardes comme ça, avec ce prolongement en fait de l'arrière qui remonte un petit peu pour former une sorte de béquet. Ça, c'est la queue de canard, on appelle ça. La queue de canard. Moi, je trouve qu'elle n'a pas pris ses timeless. Une voiture qui, pour moi, n'a pas pris une ride, qui est un peu dans un espace-temps où le temps s'est arrêté. Ouais. C'est le détail quand tu freines. T'as le logo qui s'allume ici. Les Américains, ils ont le sens du spectacle, faut pas l'oublier. C'est vrai. Moi, pour moi, c'est la quintessence même, c'est l'extravagance poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que ta Mustang, c'est l'Amérique, c'est l'American Way of Life. Moi, je suis fan de Mustang, tu le sais. Hein. Et en fait, pour moi, ça, c'est l'Amérique dans toute son extravagance, dans tout ce qu'il y a de plus. Les années 90, quoi. Ouais, complètement. Les 80-90, où c'est America, fuck yeah. On a cette fameuse prise NASCAR. Qui pour l'admission d'air, qui arrive en direct dans la boîte à air, en fait, tout simplement. Ils sont partis sur un moteur 10 cylindres. Pourquoi pas un V8 Là, tu m'as posé une colle. Ce que je peux dire, et je vais corriger un truc qui m'agace beaucoup depuis que je suis gamin, parce que moi, j'ai connu la caisse, j'étais jeune. On dit un moteur de camion. Non, eux, un truck, c'est un pick-up pour nous. C'est pas un moteur de camion, c'est un moteur de pick-up qui était dans un Dodge Ram. Il y avait un gros bloc disponible. Ce bloc, ils l'ont pris en fonte, ils l'ont envoyé chez Lamborghini qui appartenait aussi à Chrysler pour le passer en alu, pour l'alléger. Parce que déjà qu'il fait 350 kg tout seul, V10 8 litres, imagine en fonte. Aux États-Unis, à l'époque, au prix du galon, ils s'en foutent de la consommation, ils mettent un gros moteur, un gros réservoir. Ils veulent du couple. De toute façon, je pense que c'est une voiture qui se conduit majoritairement au couple. T'as pas besoin d'aller haut dans les tours pour avoir la puissance. Ça, on peut peut-être ouvrir le capot tant qu'à faire comme ça. On va ouvrir le capot, on va ouvrir la bête. Parce que ça reste comme une pièce d'orfèvrerie. Ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les. Hop là. Le gars, tu l'as déposé à Neuroto, il va galérer à l'ouvrir le capot. Ouais, faut le savoir. J'ai mon pote mécano donc, qui s'occupe de la voiture à Bourg-Marlotte, classique affaire, a au début galéré pour ouvrir. Il m'a appelé et il m'a dit ah putain, tu. Et je dis ouais, il me fait ah ouais, c'est ça, ouais, je me rappelle. Et il m'a dit ok, c'est bon, mais sur le coup, il était un peu en galère. D'ailleurs, très léger. Hein, ouais, alors, faut savoir que ça, c'est la pièce, c'est fait d'une seule moulée, d'une seule pièce. Et c'est la pièce la plus chère en conception de la fabrication de la voiture, plus chère que le moteur, parce qu'ils avaient énormément de rebuts. Ouais. Parce que c'est en fibre. Et il est fait, il est moulé d'une seule pièce. Ça a été pendant pas mal d'années le plus gros moteur de série du monde. Ça fait 460 chevaux d'origine. C'était un modèle français, donc c'est un modèle qui faisait 383 chevaux. Sauf que c'était une bride d'admission. Il suffit de démonter la boîte à air, retirer la bride et on récupère les 460 chevaux. Et le couple, 67,8 mètres kilos de couple. Après, on se dit 68 mètres kilos de couple pour arrondir. Et le poids, ça fait 1,570 tonnes. Alors, à vide, est-ce que c'est sans essence, sans huile, sans batterie, ou c'est juste sans essence? Ça reste à définir. Ça reste léger. Mais aujourd'hui, au vu du gros bébé que tu as sous le capot. Il faut être honnête, aujourd'hui, par rapport à ce que tu peux avoir dans les petites berlinettes, les petites bombinettes, tu es très vite à 1,4 tonne. En fait. Ce qui est très drôle, c'est que moi, la conso, je ne connais rien. C'est lui qui me l'a dit, l'ancien propriétaire m'a dit. Sur autoroute, tu es à peu près à 11 litres, 5, 11 litres.
Ce à quoi j'ai répondu, ouais, ok, bon, je m'en fous, mais c'est cool. De toute façon, ce n'est pas les voitures que tu achètes. Après, voilà, moi je sais que c'est économie de carburant. Ouais, ça fait comme toi 60 litres. Très vite, tu fais du 30 litres au 100. En ville, c'est terrible. Et dès que tu commences à mettre du gaz, la jauge à essence, elle descend si vite que l'aiguille des contours monte. C'est assez, il y a une proportionnalité, c'est comme ça. Tu as deux pots d'échappement ouais. au centre. Et moi, je l'ai acheté, elle avait l'année de Dominique Borlin, ce qui ne fait pas gagner de chevaux, je précise. C'est juste que ça fait un très beau bruit. J'ai mis un filtre à air KN dans une boîte à air d'origine juste pour pas me changer de filtre à air tous les deux ans. Après, j'ai fait une optimisation pour la tranquillité. J'ai fait mettre le kit refroidissement, c'est-à-dire que j'ai acheté le gros radiateur à lui triple passe, silicone renforcé Samco, le calorstab basse température. Et j'ai eu la pompe à essence à changer parce que c'est une voiture qui a 24 ans. Ouais. Et j'ai mis une pompe à eau renforcée avec la turbine alu que j'ai acheté aux États-Unis, que c'est un moteur qui dégage énormément de calories. Si on veut diminuer la température, il y a une solution, c'est de mettre des collecteurs mélangés. Mais après, c'est-à-dire qu'il faut la reprogrammer, tout ça. Moi, je voudrais la garder le plus possible d'origine. Ouais. Sachant qu'en toute honnêteté, ça marche déjà très bien. La fiabilité avant tout, parce que moi, c'est un véhicule qui me sert pour faire vraiment du kilomètre. Ouais. Parce que comme je t'ai expliqué, moi, en fait, je ne vis pas en France. Je suis un chanceux, je vis à Saint-Martin, aux Caraïbes. Et en fait, mon kiff, c'est quand je rentre, j'ai ma bagnole, en fait. Il y en a quand même quelques-unes en France ? Ouais, il y en a quelques-unes, parce que nous, sur moi, sur Instagram, on est plusieurs à en avoir, à se suivre. Alors après les différentes générations, hein, beaucoup de générations 1, de SR1, de SR2, quelques générations 5, pour ceux qui ont les moyens, parce que c'est pas le même budget. Ouais. Aux États-Unis, ça reste abordable, mais le problème c'est qu'en France, on est sur du 150 000 à 200 000 euros. En toute honnêteté, j'ai pas de problème à le dire, je l'ai acheté moi il y a octobre 2021, j'ai fait un coup dessus, parce que je l'ai acheté 60 000 euros, voilà. C'était la cote en fait à peu près, et maintenant ça vaut dans les 80-90 parce qu'il y en a peu et qu'aujourd'hui, les gens commencent à se positionner sur ce genre de véhicule. C'était mieux avant. Il n'y a pas photo. Bon, au niveau des jantes, c'est des jantes qui sont relativement classiques, mais on est sur quoi? Du 17, du 18? Alors, c'est du 18 pouces. Moi, je préfère le design, celle d'avant, mais elles sont petites et le propriétaire précédent n'a pas voulu acheter une bleue bande blanche qui trouvait que les roues d'origine étaient trop petite. On est sur des gros boudins quand même à l'arrière. Ouais, hein, ouais, ouais, tout à fait. Alors à l'arrière, on est sur du 335. Ouais, c'est énorme. Ouais, le portefeuille s'en rappelle aussi. Ouais. Parce que quand il faut changer les pneus, il faut changer le train arrière. Bon, bah, tu sais que t'es minimum à 1500 euros. Et à l'avant, on est sur du 275. Donc grosso modo, les pneus là-dessus, c'est à peu près entre 2500 et 3000 euros en fonction de ce que tu mets. Quand tu roules avec ce genre de voiture et que tu as du 335 derrière, est-ce que du coup, c'est figé au sol? Je veux dire, quand tu accélères un petit peu, ou ça bougeote un peu? Faut démystifier les choses. Ils savent faire les voitures aux États-Unis. Hein. Elle a énormément gagné de course. Elle a été, d'ailleurs, c'est le Team Oreca qui l'a mise en course et qui a gagné les courses avec. Ouais, au scratch, elle était devant. Attends, GT1, elle a fumé tous les protos, enfin, c'était assez dingue. En fait, c'est très à l'américaine. À l'américaine, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous vendent une voiture, mais ils mettent toujours les suspensions, passe-moi l'expression, de merde, et des freins de merde. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu léger par rapport aux performances de la voiture. Ouais. Les propriétaires mettent des kits donc StopTech, Wildwood, Brembo, ça dépend. C'est vrai que quand tu accélères, tu sens quand même l'arrière qui te pousse et qui se débat en fait. Donc ça bouge un peu. Bon, après, j'ai mis des super pneus avec du grip pour pas être trop surpris. Ça peut vite partir. Ah, bah c'est une voiture qui se. En fait, moi, je voulais une voiture qui tient en respect. Et j'aime pas les voitures faciles. Les voitures modernes m'ennuient en fait. Je trouve ça, à part la tienne, c'est que j'adore ta caisse. Si je veux en avoir deux. Dernier bataillon. Le dernier, ouais, c'est le chaînon manquant pour moi. C'est une super GT. Moi, j'ai fait des kilomètres avec. Je suis Suisse, là je pars à Bordeaux demain avec, je fais du kilomètre. Mais le problème que tu vas avoir, c'est que c'est une bagnole qu'il faut, il faut toujours être concentré. Parce que la moindre erreur, bah le serpent, la vipère est mort et là la sanction tombe. Comment ça s'ouvre tout ça? Ah putain, ça c'est un bordel. Non, je plaisante, c'est très très simple. Ils sont quand même pragmatiques, rien d'exceptionnel. Hop. Ah oui, d'accord, avec un système de verre. J'avais l'option pour avoir une cinquième roue de secours qui était la même que les quatre roues ou alors une roue de secours basique. Partir à deux en week-end sans problème, à deux en vacances. Je sais pas. Puis au niveau de l'ouverture de porte, bah en fait, t'as un petit bouton ici. Ouais, c'est design, hein, ça, ouais. C'est assez marrant. Quand tu regardes la porte, t'as l'impression d'avoir un ovni. Tu sais pas trop ce que c'est, tu dis c'est pas une porte. Alors, c'est quoi cet objet? Pour moi, la définition de la voiture de sport, c'est quand il n'y a plus de montant. Là, ouais. Fait. Bon, et puis au niveau de l'intérieur, bah, c'est le cognac que tu mentionnais en début de vidéo. Voilà, alors finition à la truelle, hein, toujours. Hein, ouais. C'est pas comme ta Mustang. Hein, mais l'avantage, c'est que la voiture a 24 ans, même si c'est une finition plastique, il est de bonne qualité, même s'il est rigide, mais il casse pas. T'as quand même l'impression d'être dans un espace un peu concentré, hein, je trouve. Hein. C'est vraiment dédié aux pilotes, mi NASCAR, mi avion de chasse. C'est-à-dire que t'as tous les manos qui sont tournés vers toi. Principal, donc ta température moteur, pression d'huile, ta jauge à essence et ton voltmètre. Trois grilles d'aération, ouais, trois postes à l'ancienne. Normalement, parce que là, j'ai changé. Moi, c'est-à-dire que j'avais le poste d'origine, mais j'aurais pu le garder, mais comme je fais du kilomètre, je voulais quand même pouvoir avoir ma musique, recevoir des appels, parce que quand on est en voiture, c'est quand même plus... Surtout avec cette voiture-là, il n'y a pas d'ABS, ça freine, mais ça bloque les roues très vite. Ah, t'as pas d'ABS ?
n'y a aucune assistance sur cette voiture. C'est vraiment brutal, c'est tout de suite, c'est une vraie voiture. C'est brut. Et c'est Carroll Shelby qui l'a voulu comme ça. On trouve une boîte manuelle. Oui. Le levier est relativement haut. Hein. Oui, oui, alors c'est normal. Ah, il oui, te permet okay. justement de clac, hop, tu changes. Avec un frein à main parfaitement accessible. Oui, oui, oui. La voiture, voilà, c'est pas très bien fini, mais c'est pas mal fini parce que ça bouge pas dans le temps. Puis les compteurs sont relativement petits en fait. Oui, 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 toujours petit compteur. Bah, t'as le compteur à gauche, tachymètre à droite. C'est une voiture qui a peu de kilomètres parce qu'elle a 46 027, ouais, tu vois, elle a pas très, de bande. Très Je l'ai acheté il y a 2 ans et demi, elle avait seulement 39 000, à peine 40. Regardez, jusqu'à 360 km/h quand même. Ouais, mais ça, c'est à la grande époque, ça, c'est pour faire un peu. Ouais. Parce qu'en réalité, ça prend un peu plus de 300 km/h d'origine. C'est pas une voiture avec laquelle j'ai envie de rouler vite, c'est une voiture plus je me fais plaisir, j'accélère un peu, je fais des petites routes en Suisse, route de col, route de montagne. Si tu l'as dit toi-même, c'est une voiture, tu conduis au couple, c'est-à-dire que tu vas être entre 2000 et 4000 en fait, tout le temps. Ouais. Je repars en 6 à 1000 tours minute, je suis à 90 km/h et je repars. Et à 1000 tours, ça repart? Ouais. Le volant qui est en biton, ça rend bien au final, ouais, hein, tu ça vois, rend donc bien. La partie centrale ouais. en noir et puis les contours couleur cognac. Puis c'est vrai que les sièges sont quand même axés confort. Oui. Ils sont pas baquets. Hein. Non, c'est toi, tu as des vrais sièges baquets dans la tienne. Ouais. Moi, c'est du baquet, mais baquet business. Tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils sont pas très hauts hein, au c'est... niveau de la hauteur. Après, alors, tu me préviens, tu n'as pas beaucoup de hauteur. Hein. Mais quand tu regardes le toit, tu as le double bossage pour le casque. T'as quand même, c'est quand même une voiture qui est. Ils ont quand même pensé à ça. Bien sûr, parce que Carroll Shelby, c'est quand même quelqu'un qui a fait de la compétition, qui a gagné Le Mans face à Ferrari. On a tous vu le film. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui. Voilà. Et il a fait une voiture de course. Après, c'est avec les conceptions de l'époque. C'est une voiture qui a, en conception, date, enfin, 89, quand même un peu d'années, quoi. C'est ouais, 35 ans, quand même. Ouais, tu nous fais écouter Ouais, parce que vous avez été sage. Qu'il se passe un truc devant. Hein, de... Ça pète un peu aussi derrière, non? Ouais, ouais, tu verras, il y a des retours. Et c'est suffisant parce qu'après, on, effectivement, alors ce qui fait qu'on va faire la voiture va se libérer niveau son, c'est la mini à l'arrière. Ce qui fait que tu vas prendre de la puissance, c'est évidemment décatalyser la voiture et les collecteurs longue tube de chez Bélanger, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est drôle parce que moi je trouve qu'il fait quand même pas mal de bruit. Et c'est vrai que quand je suis avec la Shelby, tu tout de suite t'as dit, ah oh, oui, non, la tienne est fait. Non, mais toi, bon, non, mais c'est beaucoup plus travaillé. On voit que c'est. Pourtant, c'est plus restrictif que ces voitures-là de l'époque, mais c'est. J'ai l'impression que moi, ça tombe plus sur les aigus. Toi, c'est plus. Ouais, c'est plus sourd. Sourd, exactement. Là, quand on va aller rouler, j'ai quand même envie de voir, une fois qu'on monte un peu plus haut dans les tours, si on va tendre un petit peu sur les aigus ou si on va rester sur ce bruit sourd. Non, tu vas monter sur de l'aigu. Sur de l'aigu. Un petit peu quand même. On va faire un tour. Ouais. Allez, go. Allez, on va fermer le capot. Alors, ce qui est drôle, c'est que la ceinture, elle est à gauche. Oui, mais alors. D'accord. Ah, donc ça fait drôle, tu vois. Moi j'étais là, je voulais prendre alors, la ceinture. Elle est où? Alors, d'autant qu'il faut prendre le coup, moi j'ai une voiture standard, comme je disais, moi où je vis à Saint-Martin. Ouais. T'as un Toyota, enfin une caisse américaine, un pick-up, mais c'est la ceinture, elle est là. Et en fait, à chaque fois, il me faut une première journée de temps de. Enfin, une deux heures, temps de journée. À chaque fois, j'ai réfléchi, ah non, c'est de l'autre côté. Donc, t'as le meeting board là, elle est juste ce qu'il faut, parce qu'en fait, tu peux quand même mettre de la musique, discuter, t'es pas assourdi. Ouais, mais tu sens quand même qu'il y a un bruit de bourdonnement qui vient un petit peu de l'arrière. Oui, oui, oui. Mais ça va, ça reste quand même gérable, je trouve. Hein. Moi, je veux pas m'emmerder à rouler avec une bagnole, si tu veux, où je vais rouler avec des boules caisses, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Je suis déjà un fou furieux parce que je rentre, je roule avec une Viper. Ouais. Bon. Après, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est la caisse la plus badass. Il n'y a pas plus badass qu'une Viper. Et comme j'ai toujours dit, c'est le diable de dérouler sur... en voiture une Arena Viper. Une Arena, une Dodge Viper. Je conduis pas la bagnole tous les week-ends. Je rentre régulièrement, quand je vais faire mes trucs, je suis en vacances, je pars faire des road trips avec. Et c'est toujours, en fait, dès que je reviens, j'ai toujours cette appréhension, cette petite crainte. Dire putain, attends, faut que je repeigne la caisse. L'avant, tu vois les aérations sur le côté, ouais. Mais tu vois pas le bout de la caisse. Donc c'est une galère. Enfin, c'est une galère, c'est beau, mais ça, qu'à conduire, c'est pas simple, c'est large, ça braque pas. Enfin, il n'y a aucun intérêt. C'est une bagnole, tu dis, mais ça sert à quoi? Parce qu'en fait, justement, comme ça sert à rien, c'est indispensable. Moi, le truc, c'est de me faire plaisir quand je rentre parce que,
il peut se passer un moment avant que je rentre. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis là au mois de mai, mais je ne rentre pas avant septembre. Je ne vais pas toucher à la voiture pendant des mois et honnêtement, elle va me manquer. Mmh. Je te jure, Alex, la caisse, ça va me manquer, le moteur, le son, les sensations. J'aime tout ce que cette caisse représente d'extraverti, de badass. Bah, c'est un peu ce que dégagent toutes les Américaines de manière générale. Hein, oui. Ce côté aussi muscle, large, grosse cylindrée. Tout à fait. Et ces sentiments de liberté parce qu'en fait, on assume, on se fout du regard des autres, du politiquement correct, on se fait plaisir. On n'est pas dans le... faut rentrer dans le moule, dans le rang. On n'est pas du tout là-dedans avec ces voitures-là. C'est vraiment l'exubérance, l'Amérique extravertie, comme je l'ai dit. C'est un truc de fou furieux. Tu vois, les gens regardent. Ah, ça, le petit jeune, il a ralenti, puis il a fait comme ça. Oui, non, mais ça laisse jamais indifférent. En fait, cette caisse, c'est soit on est comme un dingue, comme moi j'étais gamin. Ouais. Soit on est totalement indifférent, les gens s'en foutent, ça leur parle pas. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en général, ces gens qui aiment pas les voitures plus que ça. Pour eux, une voiture, c'est un déplacement. Ouais. Pour moi, la voiture, c'est un peu le prolongement de ta personnalité. C'est une partie intégrante de toi. Complètement. Ah oui, on sent que le bruit change quand tu montes un peu plus dans les tours. J'étais à 2500 tours. Alors, ce qui est très drôle, tu vois, je vais me mettre en 5 à 80. Ouais. Je suis à 1500 tours. Et sur autoroute à 130, je suis entre 1500 tours et 1700 tours. Je suis à 1600 tours minutes. Donc, le bloc, il tourne, on dirait qu'il tourne à l'arrêt, quoi. Ouais. Tu sais, il est tranquille, comme un diesel, à vrai dire, qui est bas dans les tours. Ouais, bah, comme un cheval de trait, j'allais dire, à côté un peu moins péjoratif, mais c'est un peu l'idée, quoi. Après, je te dis, moi, voilà, la façon dont tu me vois rouler là, c'est vraiment la façon dont je joue en général. Je suis vraiment tranquille. Posé, tranquille, ouais. Moi, si tu veux, entrée d'autoroute, je vais me faire plaisir. Ouais. Entrée de rond-point, s'il n'y a personne, je me fais un peu plaisir. Sortie de rond-point, mais tout de suite, tac-tac, ça va être du 2, 3, 4, et encore 2, 3, parce que 4, je suis déjà à des vitesses. Parce que l'étagement est long, non? Ouais, très long. Ouais. Là, je suis en 5. Je me remets en 3. Ah ouais, c'est viril quand même. Hein. T'as aucun filtre. C'est ouais, tout de suite tu maintenant. Tu sens vachement le couple. Hein. Bah, 68 mètres au couple pratiquement. Donc, ouais, wow. C'est. Ouais. Mais ça marche hein, quand même. Hein. Et ça a 30 ans presque. Donc, ça arrache. Et ça, les gens pensent que ça marche pas. En réalité, c'est des performances très proches de la tienne, en fait. Tu peux aller chercher tes 8000. Hein. Ça marche. Ouais, ça marche. Ouais, putain, ça marche. Attends, pourtant, j'étais pas à fond, presque, mais... Là, tu vois, je me mets en 6, ton corps va rigoler. Donc là, tu vois, je suis à 110, attention, je suis à 1100 tours. Ouais, tu vois. Donc là, je reprends en 6 à 1100 tours, je suis en 6, hein, qui est une overdrive. Hein. Voilà. Et ça part quand même. Hein. Et ça part gentiment, mais ça part. La démultiplication de la 6 en vitesse absolue, je crois que c'est près de 400 km/h, ouais. C'est une connerie comme ça. Hein. Et en fait, ce qui fait la sensation, c'est le couple. Ouais, c'est la sensation de traction, de propulsion, d'être tracté quoi. Quand tu as fait ta reprise, on avait presque la sensation qu'il y avait un turbo qui chargeait. Bah t'as tellement de couple qu'en fait que... Tu vois, là il passe dans sa deuxième phase où il prend des tours. Oh, ça marche. Oui, ah, non, mais ça marche vraiment bien. Ça, c'est pas du tout ridicule par rapport aux performances des voitures d'aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Et d'origine, parce qu'en fait, faut savoir que ce bloc-là, là, il fait 8 litres. Il sort un peu plus de 50 chevaux litres. Un moteur, tu peux lui faire sortir facilement sans forcer 600-700 chevaux comme ça. Et d'ailleurs, c'est fiable. C'est fiable. Faut savoir que aujourd'hui aux États-Unis, ils sont à un niveau, les mecs, sur les générations 5, ils les stroquent de 8 litres 4 en 9 litres, ils mettent 2 turbos et les mecs en daily, ils ont 2500 chevaux. Donc quand je vois les mecs s'exciter sur des Nissan GT-R, je dis les filles, arrêtez, stop. Vous avez pas bien compris ce que c'est qu'un V10 monté en 9 litres avec 2 turbos. Mais est-ce que parfois ça t'arrive de vouloir jouer un petit peu, te faire plaisir, titiller un petit peu le châssis? Ouais, mais plutôt sur les petites routes. De temps en temps, je me fais un petit tour, je prends 2-3 routes, je taquine un peu. Je vais être honnête, c'est une voiture qui me tient en respect. La Lotus Elise, j'avais une Lotus Elise 111R une 2009 avec le 2ZZGE, donc 192 chevaux, échappement stage 2. Elle me tenait pas en respect la voiture. Je pouvais vraiment l'emmener, puis ça pardonne. Bon, sauf au moment où ça pardonne plus, mais là, on a vraiment une marge énorme. Là, tu le sens tout de suite, quoi. Je veux dire, je mets un coup de gaz de trop, fais une toupie dans le rond-point. Il faut respecter la voiture, parce que si tu la respectes pas, tu vas dans le mur. Oh là là. Ouais,
décomposer le mouvement. C'est vraiment une boîte. Moi, j'aime pas les volants, les trucs courts, parce qu'en fait, après, tu cherches ton truc. Là, j'ai vraiment là, et je peux le prendre comme ça. Alors, tu vois l'usure. Hein. Ouais, complètement. Et tu vois qu'il a été bien tenu. Tu t'accroches. Hein. Mais c'est en fait, c'est, j'ai jamais réussi à faire une vidéo d'accélération tout seul. Que moi, en fait, j'ai essayé plusieurs fois avec le téléphone. Je me suis même calé le téléphone là. Ouais. J'ai essayé en fait, et en fait, j'y arrive pas parce que, et j'ai jamais voulu le faire comme ça parce qu'en fait, quand t'as remarqué, quand j'accélère, je la tiens. J'ai même pas, je tire à fond pour faire plaisir. Mais tu vois, comment tu définirais l'accélération? Parce que je la trouve pas agressive, mais tu sens que bah, quand c'est lancé et le compteur il monte quoi. Moi j'ai envie de te dire c'est casse-couille, mais désolé pour les pauvres caméras. T'inquiète. Une sensation d'apocalypse quand ça accélère la bagnole, parce que tu sens les mouvements de caisse, t'as l'impression que le châssis est dépassé, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est juste que t'as pas d'entité d'attinage qui va réguler. T'as les suspensions d'origine qui sont limites, qui font que ta voiture va. T'as un mouvement de caisse en fait. C'est pas une voiture que j'utilise tout le temps, que je me permets pas de faire le malin. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé en fait de la réapprivoiser. Mais tu vois, je pense que c'est un petit peu comme moi pour la Shelby, même si voilà, il y a plus de technologie dans la mienne. Ah oui. Mais c'est des voitures en fait où, tu vois, quand je suis fatigué, avant j'avais la M2 compétition, ça, c'était pas problématique de la conduire la voiture. Voilà, t'avais la boîte dégagée, compagnie, ça se conduit tout seul. Ouais. Par contre, la Shelby, malgré qu'elle soit de 2017, c'est quand même une voiture où je me sens un petit peu identifié par rapport à tout ce que tu dis, dans le sens où faut vraiment tenir bien le volant, et c'est une voiture qui a du caractère, qui dégage quelque chose, et faut de la concentration, faut se sentir bien. Là, tu viens un peu en fait de citer le monde des motards, ou comme les motos, enfin même si maintenant les motos ont des ABS, des anti-patinage, moi je suis l'ancienne génération, où t'avais, c'était l'époque GSX R1000, R1, CB R1000 et tout team, qui fait qu'en fait t'avais pas tout ça, et si t'étais fatigué c'est dangereux. Ouais. D'ailleurs on dit toujours en moto, le jour où t'as plus peur faut que t'arrêtes. Ouais. C'est pareil aux voitures. C'est pas les voitures qui pardonnent, c'est les voitures qui demandent un investissement à 110%. Quand tu fais un parking souterrain, c'est extrêmement large, avec les châsses-roues, c'est une galère. Mmh. Faut être honnête. Il y a des fois je me dis mais je me fais chier avec cette bagnole, pourquoi? Et en fait il y a un truc que tout le monde doit savoir, et quand on aime les bagnoles on le sait, quand tu gardes ta bagnole quelque part, ta caisse tu la regardes pas en partant, c'est que t'as pas acheté la bonne bagnole. C'est vrai ça. C'est tout. On m'a proposé déjà de l'acheter, je t'avoue, tu le sais, on en a parlé, je suis un fan de Shelby. La Shelby GT350 pour moi c'est voilà, le premier grade. Stade ultime, ce serait une Viper la CRE de 2017, mais je n'ai pas 300 000 euros à mettre. Le truc c'est que maintenant ça arrive pratiquement à 400 000 $ si elles sont très peu de kilomètres. Parce que ça a fait x4 en fait, ça valait 125-130, maintenant ça vaut une fortune. Pour lui donner sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Sa plus grande qualité, c'est sa sauvagerie, et c'est en même temps son plus grand défaut. Parce qu'elle est d'une violence inouïe, c'est chiant, parce qu'elle est toujours concentrée. Mais putain, ça fout, c'est l'expression, ça fout la gaule. Ouais. Son défaut principal, je vais être honnête, c'est sa finition. Bon écoute, moi je vais te donner mon avis sur cette Dodge Viper, un petit peu comme c'est toi, juste de paix qui parle, je voilà. Te coupe, c'est juste de paix, ça va pas rigoler. Bon, un petit peu comme toi. J'espère que j'ai bien vendu. Hein. Si, complètement. C'est une voiture qui m'a fait rêver étant gamin, c'était la voiture dans le Grand Turismo qui était difficile à conduire mais qui gagnait toutes les courses, justement dans sa robe bleue avec les bandes blanches, totalement emblématique des la robe Carroll Shelby. Hein. La robe Carroll Shelby, en effet, puis cette gueule qui est absolument intemporelle, donc la voiture est des années 2000, mais bon, tu sens quand même qu'elle a plus ou moins 25 ans, je sens qu'elle les porte quand même, oui. Au niveau des lignes, les feux, toutes ces choses, mais je sais pas, ça a encore de la gueule, enfin c'est encore des voitures sur lesquelles en fait on se retourne beaucoup plus que sur une Huracan des temps modernes, tu vois. Et c'est ça en fait que moi j'aime énormément, et puis c'est vrai que l'intérieur, bon, ça vieillit, c'est pareil, mais je sais pas, ça génère quelque chose. Ouais. C'est tout un concentré qui fait que cette voiture, en fait, il y a de la vie, il y a une âme, il y a du caractère, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est une voiture à laquelle on a envie de donner beaucoup d'amour, quoi. Ouais, moi j'ai envie d'en prendre soin. C'est-à-dire que j'ai prévu de refaire la peinture. Son nom de code couleur, parce que je le connais, je l'ai retrouvé. Je voulais. voilà, c'est le but, c'est vraiment d'en faire un bijou. Parce qu'en fait, si jamais je la vends à quelqu'un, je sais que je la vendrai à un passionné, parce que c'est pas quelqu'un, il n'y a pas 40 millions d'appels comme pour une M4, une M3 d'aujourd'hui. C'est un collector, c'est quelque chose qu'on est fier d'avoir dans le garage. Ouais, ça fait tourner toutes les têtes, capital sympathie incroyable de par l'histoire de la voiture, le côté américain, le côté gros moteur, V10. Pareil, V10, on voit pas beaucoup sur les voitures américaines. Non. En fait, cette voiture a trop de choses, trop d'histoire en fait. Et c'est toutes ces choses qui font qu'on est tous admiratifs quand on évoque le sujet en fait. Si je peux même la garder, j'arriverai peut-être à faire dans 10 ans mon garage idéal, c'est-à-dire celle-là la garder, la Shelby comme la tienne, et une Viper génération 5. Bon là je crois que je
je peux mourir tranquille. Mais on prend tranquille. Hein. Mais je suis à peu près touché de ce que je voulais. Il y a ses cobras, il est derrière. Il y aura des chevaux, il a ses cobras. Il n'y a toujours pas une bagnole européenne. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est terrible. Ouais, bon, écoute, encore merci, Geoffrey. Mais merci à toi, Alex. On espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, salut. Plaisir. Ciao.